Est-ce que oui, ça marche? Allô? Allô, ça fonctionne? Ça flash, donc ça marche. Aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est les effets de la force centrifuge sur les larves de crevettes. Vous allez comprendre si je vous dessine au tableau un fort simple diagramme à l'aide... Ah, fâcheuse situation! Pêcheur d'éprouvettes, j'ai oublié mon magnifique compas. Chers collègues, auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, d'aller à ma maison pour récupérer mon compas, s'il vous plaît? Oui! Excellent, c'est la dernière maison, là, au bout de la baie d'Ongava, merci! Excellent, on vous attend, vous êtes de retour dans quoi? 3-4 minutes? Merci! Jolly Punk! C'est l'heure de prendre sa classe avec Brett Rocket! De maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe, comme dans I-N-T-E-R-D-I-E-N-T. Quoi? Je l'ai pas encore eu? C'est pas grave, là, ma qualité première, c'est pas l'orthographe, c'est ma moustache. L'interdit du jour. Lancez son étui! Le jeu du jour, la valse des crayons! Tout ce que ça vous prend, c'est beaucoup de concentration et, vous aurez compris, des... Ha ha! Étuis à crayons! Maintenant que tous ceux et celles, surtout celles, qui s'appellent Brett, prennent leur étui à crayons! Comment ça, personne s'appelle Brett? C'est très beau, Brett. OK, laissez faire! Que tous ceux et celles qui sont gauchers et gauchères prennent leur étui à crayons! 5 secondes, top! Chrono! Terminé! Maintenant, tout le monde, je dis bien tout le monde, vient s'installer en grand cercle dans la classe. On fait un gigantesque cercle humain, OK? Mais pas entassé comme des crevettes, là. Non, non, non! On respecte quand même la bulle de tous et chacun. Un bras de distance entre chaque punk, c'est compris? Maintenant, tous ceux et celles qui ont des étuis dans leurs mains, on le dépose par terre, sauf la personne que son prénom débute par la lettre A ou la plus proche de la lettre A. Compris? Cette personne-là prend son étui à crayon et quand je dis « Go! » elle dit un nom et le lance à cette personne. Par exemple, mettons que mon ami punk s'appelle Winona. Ben, je dis « Winona » et je lui lance mon étui, genre de même. Ah! Comme Winona a attrapé l'étui, bravo! Le jeu se poursuit, mais attention! Si Winona avait échappé l'étui, Winona! Malheureusement, elle est éliminée et la personne qui lui a fait la passe aussi. Ah, zut! Ah, moi aussi! Attention les punks, si je crie « on rajoute un étui », on en ajoute un second, et puis un troisième, et un quatrième. Ça, ça veut dire rester concentré. Pour ce faire, pendant que l'on attend de recevoir un étui, on reste actif et on fait un petit jogging sur place. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? OK, c'est parti. Dans 3, 2, 1, go! Et un tout nouveau match de la valse des étuis, mon cher Jean-Yvon, qui prend son envol. Ah oui, ah non, 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 mais sérieusement, ils sont prêts pour les régionaux. Hein? Si jamais la valse des étuis était aux Olympiques, ce ne serait pas impressionnant de les voir dès l'an prochain. Hein? Oh, désolé de vous couper, Georges Alain, mais on m'annonce à l'instant qu'on ajoute un étui. 2 étuis en jeu, attention, on reste concentré. Encore une fois, nous serons toujours impressionnés, hein, de ces athlètes à l'œuvre. Oh, Jean-Yvon, Jean-Yvon, on a manqué en échapper un, mais on dirait que cet élève avait de la colle dans les mains. L'étui a été rattrapé à la dernière seconde. Désolé de vous couper, on m'annonce à l'oreille qu'on ajoute un étui. Jean-Yvon! Et on me souffle ici sur la passerelle qu'on veut ajouter un 4e étui. Oh, 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 oh. Si personne saigne du nez d'ici la fin, ce sera un miracle. Dans toutes ces années de description de la valse des étuis, je n'ai jamais vu une partie si endiablée. Ah! C'est fini! La partie est terminée! Bravo! Vous avez été incroyable! Ça sent vraiment l'esprit d'équipe ici. Ouh. Alerte au prof! Vite les crevettes! Tout le monde à le bureau! On ramasse les étuis! Et c'est pourquoi, non, nous ne voyons jamais de crevettes gagner le relais 4 fois 100 mètres. Et oui, encore une fois,
La force centrifuge, voilà. Oh, les collègues, bon retour. Vous avez fait bonne route, oui. Malheureusement, désolé de vous l'apprendre, je n'ai plus besoin de compas. Ouais, un peu plus tôt, nous avons été capables de nous recréer l'exemple parfait d'un très grand cercle et... Eh bien, c'est ça. Là, je dois filer le plus rapidement possible parce que j'ai un rendez-vous avec ma crevette domestique, Christine. Elle m'attend pour jouer aux échecs. Alors, au revoir. Salut les punks.